Ils sont 56 agents récompensés pour devoir accompli. Et la salle de conférence de la Caisse Stable au Plateau était vêtue de son plus beau décor pour l'occasion, ainsi que les invités de ce lundi 2 mars 2020. Surtout les 56 agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Pour la nation servie avec dévouement, la ministre Kandia Camara a personnellement tenu à être présente à cette cérémonie et remettre en main propre le trophée dédié à chacun des récipiendaires. Rendre hommage aux retraités est légitime. J'ajouterai que c'est une action noble qui consacre le mérite de ceux et celles qui en sont les bénéficiaires pour le travail abattu. À vous qui nous quittez, je sais que vous partez la conscience libre, tranquille d'avoir servi vaillamment l'école ivoirienne et par ricochet d'avoir apporté votre part à la construction de la nation. Vous pouvez en être très fiers. Elle a par la suite invité les fonctionnaires de l'éducation nationale encore en service à se saisir de cette occasion pour faire du service de l'État avec dévouement leur sacerdoce. Votre expérience doit inspirer vos collègues d'hier afin qu'ils prennent en main résolument le navire d'école pour le maintenir à flot et lui permettre d'avancer avec davantage de célérité et d'assurance encore. Elle a par la suite rappelé l'importance de la mission de l'inspection générale qui sert d'outil de réflexion sur le système, planifie le suivi, évaluation, les contrôles et les enquêtes utiles à une école de qualité pour le bonheur des populations et élèves. Votre mission de conseil, de suivi, de contrôle et d'évaluation vous confère une place essentielle au sein du système éducatif. Et je voudrais pouvoir compter sur vous. Sur votre disponibilité, vos actions et réflexions pour donner à notre école ses lettres de noblesse. Les perspectives sont prometteuses, particulièrement cette année scolaire qui a démarré dans un contexte marqué par la mise en œuvre du programme social du gouvernement qui fait la part belle à l'éducation par la formation de 10 300 enseignants à laquelle vous avez pris une part active. En leur nom, Kwaku Tano, porte-parole des récipiendaires, s'est félicité de cette marque de la ministre de tutelle à leur endroit. Madame la ministre, votre présence à cette cérémonie est une grande marque d'attention à notre endroit et nous en sommes profondément touchés. À vous tous, partenaires et invités, à vous mutualistes, sachez que l'action que vous venez de poser in note n'a d'égal que votre sens de la fraternité absolue. Les mots ne seront pas assez expressifs pour traduire la profondeur de nos sentiments, mais certainement, à travers la trémologie de ma voix, vous sentez l'émotion qui ébranle le cœur même le plus impassible. Je viens soutenir nos aînés qui font valoir leur droit à la retraite. Voyez, quand vous passez 40 ans de votre vie à servir le pays, mais à servir l'éducation nationale, quand vous regardez dans le rétroviseur les enfants que vous avez formés, les enseignants que vous avez encadrés et les résultats que nous obtenons, il n'y a que l'expression de la fierté. Et donc, nos aînés qui vont à la retraite, nous sommes venus les saluer
les encourager. C'est la première cérémonie parce que, comme l'a dit le cordon général, ils avaient l'habitude de partir incognito. Et aujourd'hui, cette année, nous avons décidé de les célébrer. Et madame nous a donné ce jour parce qu'elle voulait être présente pour dire au revoir entre guillemets, au personnel de l'inspection générale qui ont donné de leur vie, qui ont donné de leur temps, qui ont donné de tout pour l'école ivoirienne. Dire au revoir aux agents qui ont servi d'exemple. Voilà, nous partons et ceux qui nous suivent, je pense que par rapport à l'ambiance, par rapport aux mots que Madame le ministre nous a adressés, aux mots de réconfort, je pense que ces mots-là vont galvaniser ceux qui nous suivent et les uns les autres vont prendre leur travail au sérieux. Ils vont s'adhérer à la mutuelle pour voir qu'à la fin de la mutuelle, il va avoir quelque chose d'assez réconfortant pour la nation et pour tout le monde.